La radio des Sans-Voix a choisi aujourd'hui de vous parler d'Émilie Buscan, une oubliée de l'histoire algérienne. Ce n'est qu'environ 50 ans après sa mort, et grâce au livre « La parfumeuse » de l'écrivain algérien Moaben Benchikou, qu'il nous est permis aujourd'hui de rendre hommage à la plus algérienne des Françaises, Émilie Buscan. Née en 1901, Émilie est la fille d'un mineur et syndicaliste de Lorraine. À l'âge adulte, elle s'installe à Paris, milite dans les milieux anarcho-syndicalistes, travaille comme vendeuse au magasin Réuni. C'est à Paris, dans le quartier du Père-Lachaise en 1923, qu'elle rencontrera celui qui deviendra son mari, Messa Liadj. Ils auront deux enfants. À partir de cet instant, elle s'investit totalement dans l'encobat de son époux, qui est le père fondateur du nationalisme algérien et également le fondateur des premières organisations indépendantes algériennes. Elle participe avec son époux à la création en 1926 de l'étoile nord-africaine ENA, premier mouvement à réclamer l'indépendance de l'Algérie. L'année suivante paraîtra le premier texte revendiquant l'indépendance de ce pays. Messa Liadj est incarcérée à de nombreuses reprises par les autorités françaises. Elle lui rendra visite, organisera sa défense et rédigera le mémoire destiné à la Société des Nations Unies. D'après certains historiens, c'est Émilie Buscan qui aurait cousu le premier drapeau algérien. Les couleurs et la forme auraient été choisies lors d'une réunion de l'étoile nord-africaine à Paris. La première apparition du drapeau en public aura lieu à Alger dans un stade de football en 1929 à Belcourt.